Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 53, si je ne dis pas de bêtises. J'avais regardé, j'ai déjà oublié. Et je suis Céline, alias Madame Bibiche, tricoteuse du Nord-Est. Je vais faire une petite présentation, tiens, parce que je crois qu'il y a pas mal de copines, collègues, podcasteuses qui ont fait ça là pour le mois de septembre, qui ont fait un petit, une petite présentation. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée, tiens, de faire ça. Donc, je m'appelle Céline. Je me présente, j'ai souvent alias Madame Bibiche parce que ça a pendant longtemps été mon surnom sur les internets. Voilà. Mais aujourd'hui, vous me retrouvez plutôt avec le pseudo See You Later Knits, notamment sur Instagram, sur Ravelry. Les infos que je vais vous donner là pendant cet épisode de podcast se retrouveront en bas, hein, dans la barre de description. Je suis donc une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément de Lorraine. Je suis voilà, près de Metz. J'ai 45 ans dans 2 semaines. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Maman au foyer, 2-3 enfants de 15, 12 et 9 ans, d'un chat. Et que vous dire d'autre? Adepte des chaussettes, ça va pas mal se voir dans cet épisode de podcast normalement. Adepte du rose, je pense que ça va pas mal se voir aussi. Et que vous dire d'autre? Bah, que je tricote depuis un certain nombre d'années, puisque j'ai appris quand j'étais étudiante, lycéenne, enfin voilà, vraiment au tout début des années 2000. Et par contre, la véritable passion du tricot, là, ce qui m'a donné envie de venir faire des podcasts, de vous retrouver, etc., ça s'est déclaré un petit peu plus tard, aux alentours de 2020. Je tricotais un petit peu avant, j'ai tricoté pour les naissances de mes enfants, mais j'étais pas accro. Et 2020, confinement, tout ça, ça va peut-être vous rappeler des choses. C'est vraiment à ce moment-là que la passion est devenue omniprésente dans ma vie. Donc voilà, je fais des podcasts depuis, je pense, je dirais 3 ans, mais à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié et le temps passe tellement vite que il est possible que je me trompe. Mais donc voilà, donc je vous retrouve assez régulièrement pour vous présenter les choses que je viens de tricoter, ce sur quoi je suis en train de travailler, mes projets, mes envies tricot, tout ça, voilà, mais 100% exclusivement autour du tricot. Je vous reviens là, donc on est le 12 septembre et je vous reviens après une bonne grosse pause, une bonne grosse interruption. En fait, le dernier épisode de podcast doit remonter certainement au mois de juin. Ensuite, tout au long du mois de juillet, j'ai fait des épisodes de vlog de façon hebdomadaire. Je suis vraiment revenue toutes les semaines pour vous présenter un petit peu ce que j'étais en train de faire. Mais je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Hein. J'avais prévu de faire une pause de podcast et de réseaux sociaux le temps de nos vacances au mois d'août. Et puis de revenir tranquillement fin août, voilà. Les choses ne se sont pas passées tout à fait comme je l'avais envisagé, puisque ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, et j'ai quand même envie d'en parler ici parce que c'est un gros truc de ces dernières semaines. Malheureusement, alors que nous venions d'arriver en vacances depuis 3 jours, nos voisins ici, hein, de cette maison-là, qui étaient là et gardaient notre chat, nous ont informé que notre maison avait été cambriolée. Donc, c'était un petit peu la douche froide. On a géré ça un petit peu comme on a pu depuis notre lieu de vacances, en se posant la question s'il fallait qu'on rentre et tout. Heureusement, nos voisins sur place ont fait beaucoup de choses pour nous aider et tout. On a réussi à tout faire via téléphone avec assurance, banque et tout. Mais enfin, les vacances avaient quand même pris un mauvais départ. On a fait un petit peu ce qu'on a pu pour que ça reste quand même joyeux pour les enfants. Pour mon mari, hein,
qu'il n'y a pas beaucoup de vacances dans l'année, donc enfin voilà, histoire qu'ils puissent quand même en profiter un petit peu. Et malheureusement, eh bien, une semaine après, jour pour jour, nos voisins nous ont rappelé pour nous dire que cette fois-ci, ils avaient surpris des gens qui essayaient de s'introduire chez nous. Alors, étaient-ce les mêmes? Étaient-ce d'autres personnes? Ça, l'histoire ne le dira pas, à mon avis, parce que ça m'étonnerait qu'on ait quelques nouvelles que ça soit de ce cambriolage, mais bon. En tout cas, voilà, et bah là, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder notre vase à tous. Enfin, moi, c'était plus possible pour moi de rester en vacances et de faire comme si tout allait bien. J'avais plus qu'une envie, c'était de rentrer, de sécuriser ma maison, parce que j'avais l'impression qu'elle était ouverte aux quatre vents et que tout le monde pouvait venir comme il voulait. Puis j'avais aussi très envie de retrouver notre chatounette qui, elle a dû avoir vraiment très très peur de tout ça. Bon, bref, elle va bien, il n'y a pas de problème. Bon, elle était très contente de nous retrouver, ça c'est sûr. Donc voilà, donc on a dû quitter nos vacances un peu précipitamment. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram, ça a été un peu difficile à digérer. Et alors que je pensais que ça allait, que j'avais un petit peu repris le dessus et tout, là, quelques jours après être rentrée en me disant « Bon, allez, hop, on est dans l'action, on a fait plein de trucs et tout », je me suis pris vraiment quelques jours plus tard en pleine face, une sorte de retour de bâton en fait, en me disant... Enfin, vraiment, j'ai eu une grosse, grosse période de « pas bien du tout ». Alors je pense que vous avez été vraiment beaucoup beaucoup à me témoigner de votre sympathie et notamment des personnes qui ont aussi vécu des cambriolages en me disant que vous aviez ressenti exactement les mêmes choses, à savoir tu te sens plus en sécurité chez toi en fait, c'est pas terrible. Personnellement j'ai eu de gros problèmes de sommeil, donc ça n'aide pas non plus hein, à faire que tu... quand ça mouline tout le temps là-haut. Ta maison qui quand même est l'endroit dans lequel t'es censé te sentir bien et tout, limite t'as même plus envie d'y être, c'est un peu dur. Alors ça va beaucoup mieux depuis quelques jours, je sens que c'était un trop plein, il y avait trop de choses, il y avait ça, il a fallu gérer la rentrée, la grosse déception aussi de se dire que vraiment là pour moi on n'a pas eu de vacances hein. Vraiment ces deux semaines de cambriolage on va dire, mais vraiment, mais tout tué, anéanti, etc. Zéro bénéfice vacances. On est là, je trouve, encore plus fatigué que ce qu'on était à la fin de l'année scolaire. Bref, c'est pas grave, ça va revenir. Mais c'est vrai que sur le coup, vraiment dur à encaisser. Voilà. Et ça va mieux. Et j'en profite pour vous remercier pour vraiment les nombreux, nombreux messages sur Instagram. Les petites attentions, les petits les petits mails, les petits... On est très très bien entourés par nos amis, ceux qu'on connaît, enfin voilà, en dehors des réseaux sociaux. Mais j'avoue que moi, votre soutien sur les réseaux, ça a aussi été extrêmement bénéfique. Donc un immense merci. Il est temps maintenant que ce petit point est fait, mais bon, je voulais vraiment en parler, vous donner des nouvelles, parce que vous avez été nombreux à me demander, je n'ai pas pris le temps, enfin, c'était pas possible en fait, j'avais trop de choses à faire pour pouvoir répondre aussi à tous les messages de façon personnalisée, donc voilà, là je fais un petit point, je vous donne un petit peu des nouvelles. On passe au tricot, 10 minutes de blabla, désolée. J'ai oublié de vous prévenir, je suis très bavarde, hein, pour ceux qui arriveraient sur ce... qui arriverait ici pour la première fois sur cet épisode, soyez avertis, l'épisode peut être assez long. D'avance, désolée. C'est un épisode qui, je pense, va s'intituler « Des chaussettes et des mailles en verre » parce que c'est un petit peu tout ce que j'ai eu l'impression de faire ces derniers temps. Et du coup, on va essayer de ne pas trop perdre de temps parce qu'il va y avoir pas mal de choses à vous montrer. Je vais essayer... Même si, donc je parle beaucoup et je suis un véritable poisson rouge, j'oublie les choses dès qu'elles sont terminées, donc il y a des fois c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous faire
les choses un petit peu dans l'ordre. Et pour ça, je triche, j'ouvre mon Ravelry, comme ça, je saurai quoi vous dire. Alors, celle que je vous avais montrée la dernière fois, on commence par les chaussettes. J'étais en train de les tricoter la dernière fois. Je les ai terminées pendant les vlogs, mais donc pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, j'ai terminé les petites chaussettes tulipes de Charlotte Stone, donc Stone Knits sur les réseaux sociaux. Les petites chaussettes qui sont incluses dans son livre qui s'appelle Charming Colorwork Sock en anglais et chaussettes pop à tricoter, je crois bien en français, mais que vous pouvez désormais acheter à l'unité sur Ravelry. Bon, regardez, hop, j'ai le truc sous les yeux, je vais même vous dire combien ça coûte si vous l'achetez à l'unité. Elles sont à 6,72€. Voilà, si vous les achetez sur Ravelry hors livre. Donc, un petit modèle de chaussettes en jacquard. Il faut savoir que pendant un bon moment, je n'ai pas réussi à me tricoter pour moi des chaussettes en jacquard parce que j'ai un fort coup de pied. Et du coup, ça ne passait jamais. Je n'arrivais jamais à passer mon coup de pied dans les chaussettes en jacquard, même en faisant des augmentations, etc. Et puis, il y a quelques temps, j'ai essayé un modèle de encre violette. Je ne vais pas retrouver le nom, mais je vais vous mettre... Ah non, j'ai Ravelry sous les yeux, donc je vais retrouver le nom. J'ai tricoté les Annie Socks de Encre Violette. Et c'est un modèle pour lequel Encre Violette préconise d'utiliser des aiguilles 3,25 pour réaliser son jacquard. Donc on reste sur le nombre de mailles qu'on fait habituellement pour des chaussettes. Donc bah, pour moi, par exemple, ça serait 64 mailles, c'est ce que j'ai l'habitude de tricoter. Mais et on ne fait pas d'augmentation, mais on change de taille d'aiguille pour le jacquard et elle recommande carrément des aiguilles 3,25. Et ben c'est ce que j'ai fait une fois de plus pour ce modèle là et ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne, donc j'ai commencé mes chaussettes, elles se commencent celles-ci par les côtes, donc en aiguille 2,5. Je crois que c'est ce qui est préconisé dans le patron de Charlotte Stone. Soit c'est ça, soit c'est 2,25 et ensuite 2,5 pour le jacquard. Moi j'ai fait 2,5 pour les côtes, le talon et les orteils et j'ai fait 3,25 pour toutes les parties en jacquard. En suivant également les augmentations recommandées par Charlotte Stone. Mais à la différence, c'est que là, du coup, j'ai fait la plus petite taille. J'ai fait la taille 56. De tête, il doit y avoir trois tailles. 56, 64, 72, quelque chose comme ça. J'ai fait donc la plus petite taille. Mais avec les augmentations, il me semble que j'arrivais à une soixantaine de... Hein, elle vous fait faire tout de suite après les côtes, elle vous fait faire un rang d'augmentation. Et je crois que j'arrivais à une soixantaine de mailles. Donc, je m'étais dit... Les précédentes, je les ai fait en 64 mailles, aiguille 3,25, ça passait. Là, je suis à... Je me rappelle plus si c'était 60 ou 62 ou 64. Voilà, j'ai fait les augmentations et je suis passée en aiguille 3,25. Et ça fonctionne. D'ailleurs, tiens, je pourrais peut-être vous les mettre, sauf que j'ai des chaussures. Donc, je vais enlever mes chaussures. Et en même temps, je vais les passer. Les laines utilisées pour ce modèle. Alors, les laines, je vais vous les détailler et après, je changerai. Hop là, ma chaussure est enlevée. La laine principale, c'est de la teinture à laine. Hop. La base, c'est teinture à soc, donc c'est une 75 Superwash Merino 25% nylon. Vous avez 420 mètres pour 100 grammes. Alors le coloris, c'était basilic, je m'en rappelle, mais complètement effacé. Voilà, donc ça, c'est le coloris que j'ai utilisé pour le fond. Pour le petit contrastant, là, les petites tulipes, j'ai utilisé de la Atelier Balibou, que je n'ai plus parce que j'avais vraiment un petit reste. Pas du tout. J'ai peut-être pas de petit reste parce qu'à mon avis, il en reste quand même pas mal. Donc c'est juste que je ne l'ai pas retrouvé. J'ai utilisé de la Atelier Balibou, la base Ginger Sock. Et le coloris, c'était Elixir 207. Je ne sais pas si c'est des coloris qui sont reproductibles parce que c'est des coloris qui sont extrêmement variés. Donc je ne sais pas si c'est des choses qu'elle a genre
à son catalogue, si elle est capable de les refaire ou si c'est vraiment des chevaux limite uniques, quoi. Voilà, et pour les petites feuilles, c'était un mini du calendrier de l'Avent 2021 du Bruit des Aiguilles et le coloris c'était Nouvelle Feuille. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas puisque c'était vraiment... le téléphone qui tombe. C'était vraiment pour le calendrier de l'Avent. J'ai suivi vraiment à la lettre le patron une fois que... Donc, hormis les tailles d'aiguilles, j'ai suivi le patron à la lettre. J'ai fait... tout ce qu'elle recommande, le talon qu'elle recommande, qui a un talon en rang raccourci, me semble-t-il. J'ai fait, je me rappelle plus ce qu'elle demande par contre pour les orteils, mais pour les orteils, je fais toujours moi de la même façon. Je diminue un rang sur deux jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille, et après tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille, et après je fais mon petit grafting. Mais sinon, j'ai vraiment suivi tout ce qu'elle donnait comme recommandation. Enfin, voilà, j'ai suivi son patron à la lettre. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je n'ai pas croisé mes fils. Me semble-t-il, je vais quand même vérifier en regardant. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment très souples. Je sais que Pauline Bulbe Bizarre, elle arrive, elle, à faire ça. Hein. Moi, je suis un peu moins, je suis un peu moins souple. Alors, est-ce que j'ai croisé ou pas croisé les fils? Je n'ai pas croisé les fils du tout. Et j'ai fait suivre... Alors, vous voyez, hein, donc, je n'ai pas croisé mes fils. Et j'ai fait suivre... tant bien que mal. Enfin, j'ai fait suivre les fils. Je ne les ai pas coupés à chaque changement. Parce que vous voyez, on fait deux têtes, 4 ou 5 rangs pour le... pour la fleur et après 6-7 rangs pour les feuilles, la tige et les feuilles. Et je n'ai pas coupé les fils, j'avais vraiment pas la foi de tout rentrer à la fin, donc j'ai laissé le fil suivre sur le côté. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus joli à regarder comme ça. C'est plus joli à regarder comme ça. Je trouve que mon jacquard est bien, bah, en tout cas vous avez vu, hein, je peux passer mon pied dedans sans problème. Donc voilà, c'est parfait. Je pense qu'elles vont être vraiment bien épaisses parce que mine de rien, vous avez quand même plusieurs épaisseurs de fils à l'intérieur de votre chaussette. Alors, les fils sont rentrés et coupés, mais c'est vrai que je pense jamais à les couper à... Enfin, je les coupe jamais à ras avant de bloquer ma chaussette. Et techniquement, j'ai oublié de reprendre la chaussette et de couper les fils à ras. Mais bon... tout est rentré, soit je le ferai, soit je le ferai pas, on verra. Si quand même, ceux qui dépassent là-haut peut-être. Donc voilà les premières chaussettes que j'avais à vous présenter. Donc le petit modèle Tulip, je ne sais plus c'est quoi exactement son nom, de Charlotte Stone. Et je suis tellement ravie de tricoter des chaussettes jacquard, quoi. Parce que là, c'était vraiment un de mes... pas un de mes regrets, mais j'en avais marre de ne pas pouvoir me tricoter ces beaux modèles, quoi. Donc voilà, ça, les premières chaussettes. Je continue un petit peu avec les chaussettes, puis après on fera une pause chaussettes pour autre chose. Le deuxième modèle que je vous avais montré, c'est ce modèle-là, qui est un modèle de chaussettes pour lequel je n'ai pas de patron, qui est un modèle que j'ai... Alors, je n'ai pas designé, hein, c'est un trop grand mot, mais voilà. Et que j'ai donc appelé sur mon Ravelry, c'est les Yarn Over Cable Socks. C'est le nom de ce petit point-là, qui ressemble donc à de la torsade, mais en réalité, c'est une fausse torsade. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle en français, je crois bien, fausse torsade. Voilà, donc... c'est un point que j'avais vu, je crois que je l'ai déjà tricoté dans d'autres patrons, enfin dans des patrons de chaussettes que j'ai déjà réalisés, notamment je crois bien chez Marie-Christine Lévesque. Et j'avais regardé un podcast de Summerly Design, qui est donc une designeuse de... je sais pas si elle fait que des chaussettes, mais bon, une designeuse américaine, en tout cas beaucoup beaucoup de chaussettes, elle a elle aussi...
un livre qui est sorti. Enfin, voilà, je trouve qu'elle est hyper talentueuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, elle, dans cette vidéo, elle montrait comment elle réalisait ce petit point. Et dans la même semaine, j'étais tombée sur une vidéo de Marie-Christine Lévesque, un petit réel sur Instagram, où elle montrait aussi ce point. Et je me disais, ah, c'est vrai que ça rend bien. Et tiens, je pourrais faire des chaussettes. Alors, la laine que j'ai utilisée, peut-être déjà en un. Donc, la laine que j'ai utilisée, il s'agit de la Lana Grossa. Melon White Soja Soft et le coloris, c'est le coloris 303 et je ne l'ai pas là et c'est un a priori une qualité qui est discontinuée puisque quand j'ai voulu faire des notes sous un précédent épisode de podcast, impossible de trouver cette laine nulle part, donc je pense que malheureusement vous ne pourrez pas la trouver, mais bon, ça marche avec tous les types de fils, hein. Moi j'avais celui-ci que l'une d'entre vous m'avait offert très très gentiment il y a quelques temps, je voulais le tester, et donc voilà, c'est chose faite. Alors, je note que j'ai tricoté en 2,25, que j'ai monté 64 mailles, ce qui est normalement la taille que je fais, j'ai commencé par des petites côtes 1,1 semi-torse, et puis après, bah, j'ai compté combien est-ce qu'il fallait que je fasse de répétition de ces fausses torsade, donc ça se fait sur 4 mailles, hein, les fausses torsades là, oui 4 hein, je crois bien, je dis pas de bêtises, 4 ou 3, toi aussi apprends à lire ton tricot, je crois que c'est sur 3 en fait, ça se fait sur 3 mailles, c'est bel et bien ce que je disais, donc voilà, j'ai juste réfléchi à combien fallait que j'en fasse en répétition pour que ça soit symétrique, et combien fallait du coup que je fasse, bah voilà, elles sont toutes entrecoupées de mailles en verre et entre, pour combler, j'ai fait des petites côtes. Des côtes de 2, je pense. Ou des côtes de... Non, des côtes de 1 plutôt. Bref, vous avez été plusieurs à me dire, ah, c'est pas mal, est-ce que tu voudrais pas faire un petit tuto, etc. En fait, non, je vais pas faire ça. Parce que elle ressemble franchement beaucoup à une paire de chaussettes qui est disponible chez Summerly Design. Et j'en ai vu d'autres depuis. Alors, je ne sais pas si je vous les remettrai, si j'ai le temps, si j'y pense. Je vous les remettrai vers quel patron vous pourriez vous tourner. Mais voilà, j'avais pas envie de faire un patron pour quelque chose qui plus ou moins existe déjà. Voilà. Par rapport à celle-ci où j'avais fait un talon en rang raccourci, là j'ai fait le talon que moi je préfère, à savoir le talon agoussé, renforcé. Et puis bah, sur le pied de la chaussette, je n'ai fait le motif, bien entendu. Enfin, bien entendu, je ne l'ai fait que au-dessus, pas en dessous, pour ne pas avoir de texture au niveau du pied. Voilà. Donc, écoutez, vraiment... lancez-vous, hein, si vous avez une idée en tête de quelque chose. Bon, il m'a fallu quelques calculs, hein, parce que vous savez que moi et les maths, c'est compliqué. Alors, si tant est que ça soit des maths, mais rien que calculer des trucs, hein, c'est déjà tout très compliqué. Donc, voilà, il m'a fallu un petit peu de réflexion, mais enfin, pas chercher bien loin non plus. Et j'ai trouvé qu'elles étaient très sympas à faire, vu que ce sont des fausses torsades. Pas de manipulation complexe, ça se fait sur 4 ans, c'est pour ça que j'étais... C'est 3 mailles, mais c'est sur 4 ans. Donc, c'est hyper facile, aucun problème. Donc, mes petites yarn over cable socks. Et franchement, là, alors, aujourd'hui, il fait vraiment... Il fait pas si moche, mais il fait vraiment... très froid chez nous, vraiment très très froid. Ce matin sur Instagram, je rigolais, je voyais vous étiez vraiment plusieurs à avoir rallumé, enfin fait du feu chez vous ou rallumé le chauffage. On l'a pas fait de rallumer le chauffage, mais franchement, ça mériterait, hein. Il fait vraiment très très froid aujourd'hui. Donc là, j'enlève mes chaussettes au fur et à mesure. Eh ben, il fait froid quand on enlève les chaussettes. Il fait froid. Je vais vous parler de cette petite chose-là.
Petite chose là que je ne vais pas passer parce qu'en fait, non, là pour le coup, il va faire vraiment trop froid. Je ne me sens pas de me mettre en débardeur. C'est donc dommage car si j'avais enregistré la semaine dernière comme ce qui était prévu, j'aurais pu vous le montrer. Mais bon, j'ai quelques photos sur mon Ravelry, donc vous le verrez porter si ça vous intéresse. Et il s'agit du Darjeeling Top, donc que j'ai tricoté là sur le mois de juillet, qui est un modèle de Trust the Mojo que j'ai réalisé dans un fil de chez Fonti, dans la qualité bohème, bah bravo. Voilà, la qualité bohème, qui est donc un 35% lin et 65% coton. Voici ce qui me reste de ce fil. Ah, je vais peut-être vous donner le coloris aussi. Coloris 375. C'est un fil que j'avais acheté lors de mon passage à la mercerie Jeanne et Mathilde à Montigny-lès-Metz. Et c'est d'ailleurs là aussi que j'avais acheté la teinture à laine, pardon. Voilà, donc je me rappelle qu'à l'époque, en plus, il y avait une petite promo. Je sais pas si c'était pour fêter l'été ou je ne sais quoi. Enfin bref, donc c'était assez intéressant. Et j'avais pris, il restait 4 pelotes de ce coloris-là, donc j'avais pris 4 pelotes en me disant bah, je trouverai un projet là. Et pour celui-ci, bah, vous voyez, j'en ai utilisé 3 et une petite partie de celui-ci. 3, ça aurait été trop juste, mais 4, c'est vrai que c'est un petit peu trop. Ce qui est dommage, c'est qu'après, quand il nous reste ça, dans ce genre de fil, là, vraiment, lin, coton, enfin, vous me direz, moi je sais pas du tout ce que je peux faire avec hein. Alors peut-être un petit amigurumi, un petit truc crocheté, je sais pas, mais clairement je peux pas tricoter quelque chose avec juste ça comme comme quantité de laine hein. Donc voilà. Alors que vous dire sur ce petit modèle, déjà en combien est-ce qu'il est tricoté? Alors je l'ai tricoté en aiguille 3,5, je me rappelle plus si c'est ce qui est recommandé par le patron ou pas, mais en tout cas voilà, moi j'ai en 3,5. C'est un petit gilet, c'est un vrai gilet, hein. Les boutons s'en vont. Est-ce que je les ai cousus? Non, je crois que je ne les ai pas cousus, mais ils tiennent très bien. Parce qu'à un moment, je m'étais dit, je vais les coudre, puisque de toute façon, je ne le porterai pas ouvert, donc il n'y a pas de raison que je ferme, que je le laisse ouvert, ce truc. Non, je ne les ai pas cousus. Mais voilà, donc il est tricoté en aller-retour. Les mailles en verre, ça y est, on y vient. Il est tricoté en aller-retour, si vous n'aimez pas les mailles en verre, c'est pas top. Je pense qu'il serait totalement capable, je pense que si vous étiez un petit peu aventurière du tricot et douée en calcul, en machin et tout, je pense que vous pourriez l'adapter pour le tricoter en rond. Mais c'est pas ce que j'ai fait moi, je l'ai tricoté en aller-retour. C'est un bottom-up, donc vous commencez par le bas et vous remontez jusqu'en haut. C'est une construction que je n'avais jamais fait. Non, je crois bien que j'avais jamais... Même en truc pour les petits, non, je crois bien que j'avais jamais fait. Et pour laquelle j'avais quelques appréhensions, je sais pas. J'avais des réserves. Je pensais que ça allait être pas très très pratique. Ça s'est un peu vérifié. C'était pas forcément très très pratique. Vous savez quoi, je vais quand même le mettre sur mon machin. Allez, hop, 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 tant pis, ce sera pas très très beau, mais au moins vous verrez ce que ça donne, porté. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'était compliqué au moment des essayages, notamment pour savoir pour la taille, parce qu'il est présenté, ce modèle, en 3 longueurs, court, moyen ou long. Je savais que je voulais quelque chose un petit peu comme ce qui est présenté par la designeuse, alors je sais pas si c'est elle qui pose sur... je me rappelle plus. Mais voilà, je voulais quelque chose de un petit peu ample et assez court. Parce que si vous faites... Alors non, là vraiment non, non, non. Je dis non, non, ce n'est pas possible. Non, je vais être obligée d'enlever mon haut, c'est pas possible. Je peux pas vous présenter ça comme ça. C'est atroce. C'est vraiment pas joli du tout. Je coupe. Bon, il ne faut pas se voiler la face. C'était quand même plus sympa en été, un petit peu bronzé. Hein. Là, il n'y a plus grand-chose du bronzage. Je me lève pour vous montrer que vous voyez un petit peu la longueur de la bête.
j'ai pas beaucoup de recul, donc voilà. Mais vous voyez, je voulais quelque chose... Bah, là, j'ai un pantalon taille haute, et donc ça va vraiment très très bien avec. Je voulais quelque chose de ample, voilà, dans lequel je suis vraiment bien quand il fait chaud et tout ça. Mais du coup, plutôt court, parce que ample et long, c'est moins facile. En plus, moi, je suis un petit peu ronde. Ça peut avoir tendance à encore... faire un petit peu trop large sur ma silhouette, quoi. Alors que boxy et un peu court, c'est un peu plus flatteur pour moi. Donc je voulais quand même quelque chose d'un peu court. Donc j'hésitais entre... Bah non, en fait j'hésitais pas. J'étais vraiment partie sur la version courte. Et bon, en le passant, ben voilà, en le tricotant du bas vers le haut, donc en le passant et tout, voilà, c'est bien, je peux attaquer la séparation là pour les manches et tout, et, enfin la séparation, l'endroit où on place les manches. Et en fait, heureusement, il y a Pauline Bulbe Bizarre qui m'a dit, moi je l'ai tricoté et j'ai fait la taille, enfin j'ai fait la longueur moyenne et c'est déjà quand même plutôt court. Donc je me suis dit, ah, alors Pauline qui, voilà, elle est plutôt plus petite et plus menue que moi, elle a déjà fait la version moyenne et ça c'est déjà assez court chez elle, je vais peut-être pas prendre le risque de me retrouver avec un machin où on voit mon nombril que je n'aurais pas assumé, j'aurais pas porté comme ça, donc voilà. Donc j'ai très bien fait de partir sur la taille moyenne, mais j'ai trouvé que à essayer et à jauger si c'était le bon endroit, etc., c'était compliqué. Pareil, après, donc quand je l'ai eu fini, donc alors, vous commencez... Bon, il faudra que je l'enlève pour vous remontrer la petite dentelle du bas. Donc vous commencez... En réalité, vous commencez par quelques... Je l'enlève. J'ai tout remis parce que franchement, ça caille. On en parle après, bien entendu. Non mais regardez comme il est bien porté. Trop joli, hein, franchement. Donc c'était un peu cet effet-là que j'avais envie d'avoir. Même si je n'ai pas tout à fait le même physique. Donc, on commence par le bas et... alors, il y a 4 options de montage différents. En fonction de que vous soyez aguerrie ou un peu débutante, etc. Donc moi, je suis allée bien en tête avec le premier en me disant « Fouf, pas de problème, c'est trop facile. » J'ai rien compris. Ça m'a énervée. En plus, il y avait je ne sais pas combien de centaines de mailles à monter. Enfin, parce que je crois qu'il fallait en monter le double de ce dont on a besoin. Ça commence, j'ai des trucs, des bouts de fil ou je ne sais quoi dans la bouche, hein. Il faut monter le double de ce dont on a besoin, etc. J'ai essayé une fois, je tombais jamais sur le même compte de mailles quand je l'ai compté, ça m'a énervé. J'ai donc fait montage classique du nombre de mailles dont j'avais besoin, tricot de un certain nombre de rangs en jersey, puis un rang particulier, vous savez, pour faire la petite bordure en picot, je vous dis pas comment ça se fait. Après, de nouveau 3 rangs en jersey. Et après, vous revenez, vous repliez le tout et vous tricotez la maille de votre aiguille et la maille du rang de montage ensemble. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Mais bon, bref, j'ai fait vraiment au plus simple et ça fonctionnait très très bien. Donc, comme quoi, des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez fait la version difficile et tout, et que ça ne vous avait pas posé de problème. Donc, je ne sais pas. Moi, en tout cas, au moment où je l'ai fait, j'y arrivais pas. Donc, j'ai laissé tomber et j'ai fait beaucoup plus facile. Vous avez ensuite quelques rangs de dentelle. Une petite dentelle, alors vraiment toute simple, mais très joli petit effet de vaguelette comme ça vers le bas. Et puis après, bah, on tricote en aller-retour, touc touc touc, jusqu'à ce qu'on ait la hauteur désirée. Donc bon, bah moi je suis partie vraiment sur la hauteur recommandée pour la longueur médium, quoi, on va dire, moyenne. Et puis ensuite, bah, on tricote, alors je me rappelle plus dans quel sens, d'abord un des demi devant, puis je sais plus.
ou le dos d'abord et puis après seulement les demi devant. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis à un moment, donc vous avez hop, une bretelle d'un côté, une bretelle de l'autre, une bretelle d'un côté, une bretelle de l'autre, et vous devez faire un grafting. Alors j'ai fait ça en suivant donc les recommandations pour les tailles de bretelles, etc. Et en fait, au premier essayage, il y avait un problème, c'est que le truc me descendait vraiment trop bas. Et du coup, comme ça me descendait trop bas, comme les bretelles étaient trop longues, j'avais beaucoup trop de tissu dans le dos. En fait, ça descendait trop bas dans le dos et ça n'allait pas. J'ai dû enlever pour les bretelles beaucoup. Franchement, j'ai enlevé vraiment beaucoup par rapport à ce qui est recommandé dans le patron. Donc, si vous le tricotez, ne faites pas comme moi. Ne tricotez pas jusqu'au bout, vous faites le grafting, puis vous l'essayez. Essayez de bidouiller quelque chose ou vous accrochez de façon, je sais pas moi, avec des, vous savez, des marqueurs ampoules ou des trucs comme ça, avant de faire le grafting. Comme ça, vous pouvez l'essayer et voir ce que ça donne, quoi. Parce que là, vraiment, pour moi, il y avait une grosse différence entre ce que j'avais fait en suivant le patron au niveau des bretelles et ce que j'ai dû avoir à la fin. D'ailleurs, donc, bah, quand j'ai défait mes graftings pour les refaire, le fil, ce fil-là, on ne peut pas dire qu'il se comporte extrêmement bien d'être tricoté, défait et retricoté. Donc, on dirait pas là, comme ça, hein, franchement, ça va. Mais croyez-moi sur parole, mes premiers graftings étaient beaucoup plus jolis, beaucoup plus nets que ce qu'ils sont là. Bon, bref, c'est pas très grave. Et puis, ben, donc, une fois que j'avais par contre ma bonne taille, ma bonne longueur, que j'avais fait mes graftings, il y a un I-cord à faire sur toute la longueur. Encore le téléphone, toute la longueur, donc là, côté bouton, puis on fait le tour, on fait dans le dos, on repasse par ici, et par contre on s'arrête là, on ne fait pas sur la descente, parce que bah, ça ferait une surépaisseur en fait, et puis ça fera un petit bourrelet un petit peu disgracieux à cet endroit là, donc voilà. Et après, I-cord également sur les extérieurs d'emmanchure, quoi, ou les emmanchures, je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, I-cord également là, et là après, c'est fini. Il ne vous reste plus qu'à coudre vos petits boutons, et moi personnellement, je voulais des petits boutons en bois, et j'ai trouvé ceux-là qui sont vraiment trop choupis avec leur petite gravure de feuilles dessus. Je les ai trouvés à la mercerie Regraff à Nancy, voilà, chez ma petite Sandrine. Pareil, quand il fallait faire l'I-cord là à la fin, normalement il faut relever toutes les mailles puis faire l'I-cord. Moi j'ai fait un I-cord au fur et à mesure, hein. J'ai pas tout relevé d'un coup, ça me semblait beaucoup trop fastidieux. Je vous montre dans le dos, c'est pas trop mal ces petites finitions. Non, c'est un beau petit modèle. Je crois qu'il est décliné également en t-shirt avec des manches et en... Alors, quelle serait la différence entre le t-shirt et le top? Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs versions de ce Darjeeling, donc n'hésitez pas à aller voir. Le modèle est sympa, le modèle est très bien expliqué. Alors là, par contre, vraiment, les explications sont nickel. Je l'ai tricoté en français et ce que j'ai adoré dans ce modèle, c'est la checklist. Je peux vous montrer, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y a pas d'indication dessus. Donc à chaque étape, vous pouvez cocher les rangs que vous avez faits. Elle vous remet du coup, quand c'est des rangs sur lesquels vous devez faire une boutonnière par exemple. Ou, enfin, donc ça, picobello, vraiment formidable. J'ai adoré cette petite feuille de route. On revient aux chaussettes avec une petite paire de chaussettes à la vanille, parce que en été c'est toujours bien d'avoir un petit projet facile sur lequel on peut travailler vraiment très facilement, etc. Et dans mon cas, il s'agissait donc d'une petite paire de chaussettes à la vanille avec un magnifique kit de chez Sur la Rive côté laine que je lui avais pris au festival Bretzlet, je crois bien. Oui, c'est même
C'est même sûr. Voilà. Alors, c'est un coloris unique, donc vous ne pourrez pas retrouver la même chose, composé d'un 50 g de 75 mérino 25% nylon et d'un 20 g coloris unique. Voici ce qui me reste. Donc ça va partir dans la couverture de reste. Quoique celui-ci, je devrais peut-être quand même le peser. Si j'en ai assez, ça pourrait faire un petit contrastant. Au moins peut-être pour les côtes et le côté orteil de futures chaussettes. Et là, celui-ci, je psychote un peu. Alors non, c'est un petit minous. Je psychote un peu parce que notre chatounette là a eu des puces ces dernières semaines. Hein, parce que bon, tout le monde le sait, tu rentres, t'as un cambriolage, tu dois ranger ta maison et tout. Et en même temps, tu dois gérer des puces de ton chat. Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, hein, c'est sûr. Donc dès que je vois un petit machin, ça m'inquiète un petit peu. C'est bon. Donc celui-ci, par contre, il va partir dans la couverture de reste. Il va y avoir du montage à faire, je n'arrête pas d'être interrompue. Alors, on va passer un petit peu vite hein, sur ces chaussettes parce que, bon, bah, chaussettes à la vanille, c'est-à-dire chaussettes que en jersey, et pas de points, pas de trucs particuliers. Donc, en plus, je les tricote sur les mini-circulaires, donc ça va très très vite. Je commence toujours de la même façon, hein, je commence par mes côtes et j'ai monté 64 mailles, puisque a priori elles sont pour moi. Des petites côtes semi-torse 1-1. Ma tige donc en jersey sur une bonne quarantaine de rangs, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce travail de teinture? Enfin, franchement, voilà, c'est magnifique. C'est un régal à tricoter. Hein. Franchement, ces chaussettes, un vrai régal à tricoter. Puis, pour le talon, eh ben, mon talon préféré, hein, le talon à gousset renforcé. Le pied de la chaussette jusqu'à être à 5 cm de moins que ce dont j'aurais besoin pour moi. Et puis bah, toujours la même chose pour les orteils. Voilà, je les trouve absolument magnifiques. Franchement, c'est vraiment un petit tricot qui m'a bien réjoui celui-ci et qui me fera penser à chaque fois aux vacances quand je les porterai. Voilà, la bonne partie des vacances, celle avant. Pas du tout la dernière. Et ben on va faire la même chose avec celle-ci sur lesquelles on va passer un peu vite. Alors en plus celle-ci, je vous les montre, mais j'ai un peu honte. Hein. Les fils ne sont pas rentrés, elles ne sont pas bloquées, contrairement à toutes les autres. Mais bon, faut qu'on en parle quand même aussi. Je vais pas vous les remontrer après. J'ai tricoté une petite paire de chaussettes tricolores. Je ne sais pas, patriote, je ne sais pas. Jeux Olympiques, voilà, je les ai commencés le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et je les ai terminés le soir de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Voilà, alors les laines utilisées, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose, c'est exactement la même recette que ça, 64 mailles, aiguille de 25, c'est la même chose, hein. J'ai aussi fait des côtes semi-torse en haut. Pardon, ça n'est pas la même chose. J'ai fait un fish lips pour le talon, donc c'est le fish lips kiss heel. C'est un patron payant, c'est une sorte de patron, enfin c'est un patron, une sorte de rang raccourci, c'est un patron payant sur Ravelry. Donc voilà, les laines utilisées. De la Javol crème, hein, de la Yavol, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un mini rouge que j'avais dans ma collection, non identifié, bah, que j'ai mis là aussi. Et par contre, pour le coloris principal, alors ça vous me l'avez demandé, mais je ne sais pas du tout. C'est un reste qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous. Et je trouvais que c'était le moment vraiment idéal pour les tricoter, enfin pour l'utiliser celui-ci. Comme ça, au toucher, je dirais que c'est une laine, une 75-25, mais une régia, une langue, enfin, vous voyez, un truc
voilà, une laine à chaussettes un petit peu industrielle, voilà. Mais je trouve que généralement elles font, alors contrairement à ça qui est d'une douceur absolument incroyable, c'est pas très très doux, mais par contre je trouve que c'est très résistant dans le temps. Voilà, donc c'était vraiment les petites chaussettes que je prenais à chaque fois qu'on regardait. On a tout regardé, hein. Vraiment, on a tout regardé, du tennis de table au volleyball, en passant par le BMX, tout regardé. Donc bah voilà, à chaque fois que je regardais une petite épreuve, je prenais ça et je faisais quelques rangs dessus. Je vais rentrer les fils, je vais les laver, les bloquer et je les sortirai quand il y aura des matchs de l'équipe de France ou je ne sais quoi. Mais voilà, ma petite paire de chaussettes tricolores. Plus intéressant, mais toujours chausseteux, ces petites chaussettes, poussez-vous les glands, je crois qu'elles s'appellent comme ça. Elles ne s'appelaient pas comme ça quand je les ai, quand je les ai testées. De Lisandre Urdin. Donc j'ai vu passer cet appel au test tout début août, je crois, avant de couper les réseaux sociaux. Ou peut-être même juillet, bah non, juillet, puisque je les avais commencés pendant les vlogs. Donc j'ai vu passer cet appel au test sur l'Instagram de Lisandre et je me suis dit, ok, une paire de chaussettes avec des renards, comment voulez-vous que je résiste? Donc je lui ai envoyé un petit message pour savoir s'il lui restait de la taille pour les renards, parce que donc il y a deux gris, il y a la gris renard et la gris gland. Donc est-ce qu'il lui restait de la place pour les renards en 64 mailles? Et donc il lui restait de la place. J'ai pu tester pour Lily et bah, c'était un régal. Franchement, c'était super à tricoter. je vais vous donner quand même les infos correctes, savoir la taille, etc. Alors, j'ai donc tricoté la taille 64 mailles. Par contre, c'est comme chez Charlotte Stone, il y a des augmentations à faire hein, chez Lisandre. Donc on part avec 64 mailles en haut. Par contre, voilà, juste après les côtes, il y avait des augmentations à faire. Et je me demande si du coup on n'arrivait pas à peut-être 70 mailles. Je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, voilà, la taille de départ, c'est 64. J'ai utilisé des aiguilles 2,5 pour les côtes, les talons et les orteils. En revanche, pour le jacquard, comme j'étais à un nombre supérieur de mailles que ce que je fais d'habitude pour ma pointure, puisqu'il y a ces fameuses augmentations, j'ai quand même décidé de prendre une taille d'aiguille supplémentaire. Donc j'ai pris des aiguilles 3. Voilà, je ne suis pas allée jusqu'au 3,25 puisque j'avais plus de mailles que ce que je fais d'habitude. C'est une petite tambouille quand même, hein, et je pense que plus on en fait, surtout pour son pied à soi, mieux on sait ce qui nous convient. Mais voilà, voilà ce que moi j'ai fait. Je l'ai noté sur ma fiche Ravelry, que j'avais donc changé de taille d'aiguille, et bah je crois, enfin, il y a au moins deux personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'il fallait changer de taille d'aiguille. C'est parce que moi, j'ai à cet endroit-là un très fort coup de pied. Donc si je ne fais pas ça, et bien en fait toute la partie ici est en jacquard est trop serrée pour que j'arrive à passer mon pied dedans. J'ai pas forcément je sais pas de gros pieds ou quoi. Ça, quand je fais un tricot de chaussettes simple comme ça, j'ai pas besoin de partir sur 72 mailles et tout. C'est vraiment, le tissu est suffisamment élastique pour que je passe mon pied dedans. Mais par contre, si je rajoute du jacquard, ça a quand même tendance à être un petit peu plus serré. Et si je ne prends pas cette taille d'aiguille supplémentaire, eh ben, je ne peux pas passer mon pied dedans. J'ai oublié de vous détailler les laines. Alors, pour le coloris principal, eh ben, j'ai réutilisé ce qui me restait de mon écheveau de teinture à laine. Et vous voyez qu'il m'en reste quand même encore pas mal. Limite, je pourrais refaire une paire de chaussettes. Hein. J'en ai vraiment assez. J'ai noté combien j'avais utilisé pour chaque coloris. Donc là, j'ai utilisé 33 grammes. 33 grammes. Puis j'ai noté qu'il m'en reste 32. Donc non, je ne peux pas refaire exactement les mêmes. Et ben, faudrait pas que je fasse les orteils avec le coloris. Là, il faudrait que je fasse avec un autre, un contrastant.
Mais donc voilà, j'ai utilisé donc la teinture à laine pour le premier coloris. Après, pour les petits renards, il s'agissait d'un reste de non identifié de ma collection. Je crois bien, voilà, j'avais acheté tout un petit tas de mini à ma choupinette préférée et je pense que c'est quelque chose qui vient de chez elle, mais il me semble pas que j'avais de nom pour ce mini. Et puis donc pour le blanc, j'ai pris de la langue, de la Yavol. Par contre, c'est de la Yavol Silk. Et le coloris, c'est le coloris 194. Et comme vous le voyez, il y a également les petits yeux et le petit nez du renard que moi j'ai fait en jacquard, mais il me semble que dans le patron qui est... Parce que c'est ce qu'avait noté Lysandre au départ. Mais il me semble que dans le patron qui est sorti, elle propose plutôt de le faire en duplicate stitch. Et ceci pour ne pas avoir trois couleurs de jacquard à gérer. Mais franchement, c'est vraiment... C'est peanuts, hein. N'ayez vraiment pas peur si jamais vous vouliez le faire comme ça. Et pour ne pas avoir à croiser ces fils. Vous voyez, je l'ai fait. Là, ici, ça se voit. C'est le seul endroit où j'ai croisé mon fil. Voilà, parce qu'il y avait trop de blanc entre les petits nez des renards, donc je l'ai croisé et c'était un reste non identifié de mon stash. Voilà, donc je peux pas vous dire ce que c'est, mais en même temps pour ce qui est utilisé, 1 gramme j'ai noté que j'ai utilisé, donc voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce modèle. Alors, bien entendu, la première partie, là, avec les petits renards, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, parce que si vous avez déjà tricoté du jacquard, vous savez ce que c'est. On a tout le temps envie d'être au rang suivant, voilà, pour voir le motif se dessiner. Et après, en fait, toute cette partie-là, eh ben, j'ai trouvé ça hyper addictif. Excusez-moi, un petit fil dans l'œil à présent. Quand c'est pas dans la bouche, c'est dans l'œil. J'ai trouvé ça ultra addictif. C'est un motif de chevron qui se fait, je crois, sur 8 rangs peut-être. 1, 2, 3, 4, ou peut-être sur 6 rangs. Ouais, peut-être bien sur 6 rangs. Mais pareil, hyper géométrique, hyper facile à... Alors peut-être pas tout à fait à mémoriser. J'aimais quand même bien avoir la petite, la mini grille sous les yeux. Mais j'avoue que j'ai trouvé que c'était hyper plaisant à faire. Vraiment, vraiment, elles ont filé ces chaussettes. Je les ai réalisées à toute allure. Donc voilà, j'en enlève une pour pouvoir la passer. J'en profite pour vous montrer, je sais pas si je vous les montre à chaque fois, mais regardez ces petites beautés de bloqueurs de chaussettes. Création Soloniote. Les références seront notées en dessous. Pour le talon de ces chaussettes, c'est un talon, je crois bien, inventé par Lysandre, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est un talon où on fait des diminutions et où après on relève des mailles. Ok, c'est trop beau. Non, franchement, c'est vraiment trop chouette. Et j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser ce talon. Bon, alors là, c'est peut-être l'endroit où il est moins bien réussi, bien entendu. Enfin, j'ai préféré ce talon au talon qui est sur les chaussettes de Charlotte Stone. J'ai trouvé que j'avais réussi à faire des jonctions qui étaient quand même un peu plus jolies. Bon, peut-être un petit peu moins ici. Porté, ça sera pas peut-être pas très, très grave, mais voilà. Bon, là, vous savez, c'est le début. C'est le début du rang de jacquard, donc c'est peut-être pour ça, cette impression-là. Mais voilà, je trouvais qu'elles étaient vraiment... j'ai adoré réaliser ces chaussettes, franchement. Elles étaient hyper agréables à faire, hyper agréables. J'aime bien aussi le côté talon et orteil contrasté, quoi, pas dans la même couleur, donc voilà. Vous avez vu, j'ai quand même juste un tout petit souci. Il y a le coloris brun, laquelle légèrement dégorgé sur une des oreilles du petit renard. Bon, c'est vraiment le seul endroit et voilà. Bon, pareil, hein, porté, ça ne se verra absolument pas. Et le résultat est quand même vraiment extrêmement sympatoche. Lysandre, elle vient de sortir. Là, vraiment, elle nous régale en ce moment. Elle vient de sortir un patron...
soit verre de vin, soit verre à cocktail, soit chope de bière, il est d'enfer. Ma fille, la plus petite, elle a un maître cette année à l'école. Je pense que le maître va avoir des chaussettes. Mon objectif pour cette année, c'est que tous les maîtres, maîtresses de l'école aient, à la fin de l'année, eu une paire de chaussettes. En cumulé. Sachant qu'il y en a déjà, trois pour lesquelles j'ai tricoté des chaussettes. Et donc, en reste trois à qui je devrais tricoter des chaussettes. Le maître, il n'en a pas encore. Donc, voilà, il va avoir des petites chaussettes verre de vin, je pense. Bon, on verra. Je vais garder ma petite chaussette au pied parce que, il fait un petit peu fraîchou. Et je vais terminer cette session d'objets terminés. Il y en a beaucoup, hein. Ça va être un épisode un peu long et je ne sais pas si j'arriverai à aller au bout de l'épisode en une fois. Peut-être que je reviendrai demain avec les encours, parce que j'ai peur que ça soit un petit peu trop short après pour aller chercher la petite à l'école. Donc le dernier, vous l'admirez j'espère depuis tout à l'heure, il s'agit du gilet Usui de Margaine et Marianne Munier. Et c'est un modèle que je suis vraiment super contente d'avoir terminé. Alors il est terminé depuis un petit moment, mais il avait fait vraiment beaucoup trop chaud. Je l'avais emmené en vacances avec nous, je l'ai quasiment terminé là-bas. Vraiment toute la partie corps, etc. J'avais peut-être même déjà fait une manche et j'étais sur la deuxième quand on a eu notre deuxième cambriolage et que donc on est rentré à la maison. Les laines. Il s'agit de laine de chez l'Atelier Teinture. Voilà, avec le reflet, c'est pas terrible. Sur sa base Supreme Fingering, donc c'est une 75% Merino, 25% soie. Le coloris, c'est le coloris Fig. Et je lui avais pris 3 échevaux, 100 grammes, 400 mètres, hein, tout à fait classique. Je lui avais pris 3 échevaux. À Brezelen aussi, voilà. Et voilà ce qu'il me reste, j'avais oublié un morceau, voilà ce qu'il me reste à la fin de mon gilet. J'ai tricoté quelle taille? La taille 40. Je me lève pour vous montrer en pied. Voilà, j'ai tricoté la taille 40, sachant que contrairement au patron, moi j'ai tricoté en aiguille 3,25 pour avoir le bon échantillon. Il me semble que sinon il est tricoté en 3. Je tricote assez serré hein, de base, donc voilà, j'avais dû augmenter d'un quart de taille d'aiguille pour avoir le bon échantillon. Finalement, ça m'a arrangé parce que je vous avoue que psychologiquement, tricoter un gilet en aller-retour, retour des mailles en verre, en 3, il faut quand même avoir de la motivation. Chose que j'avais hein, quand j'ai débuté ce gilet parce que il me manquait clairement des gilets dans ma garde-robe et il me manquait des gilets qui me tiennent bien. J'ai quelques gilets mais qui ont tendance, que je peux pas porter ouvert comme ça, c'est-à-dire juste à enfiler au-dessus de quelque chose et que quand je porte fermé, qui ont tendance à un petit peu tomber d'un côté ou de l'autre, que j'aime bien et que je porte, mais qui n'ont pas la... exactement ce que j'attendais d'un gilet, à savoir quelque chose vraiment là qui tienne bien. Et ça vient du fait que celui-ci, il est accroché directement dans le haut du cou, donc forcément ça tient vraiment bien. La particularité de ce gilet, c'est donc les deux petits pans de torsade de chaque côté, torsades qui sont donc présentes à tous les rangs en droit. Donc c'est un type, c'est un truc où il n'y a pas rien à faire, quoi, si vous voulez, à tous les rangs il y a quand même un petit peu de torsade à faire. Ce petit torsade 1-1, donc très mignonnette, hein, ça rend, c'est vraiment très délicat, je trouve, comme rendu. Alors je reviens pas dessus, hein, mais les rangs en verre sont interminables. Donc vous commencez par le dos, dont on tricote une bonne partie, puis on vient relever des mailles sur le côté. On, tr-
tricote donc un premier pan. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Je vois même pas où est ma ligne. Elle est là. Hop, on vient faire la même chose. Ensuite, bah, sous les bras, vous rejoignez en rond. Et cette fois-ci, vous faites la même chose. Mais sur, je sais plus combien de mailles. Peut-être 300, je vais dire. J'en sais rien, je ne sais plus. Mais c'est très long. Quand on arrive à une certaine longueur. Alors, j'ai pas tout à fait respecté les longueurs qu'elle donnait. Parce que j'avais l'impression que sinon il aurait été trop long pour moi. En fait, vous voyez, quand vous tricotez, donc là vous voyez que le devant est légèrement plus court que le derrière. Mais quand vous le tricotez avant d'arriver vraiment en bas, c'est encore plus marqué. Le devant est vraiment court et l'arrière est long. Et je trouvais que l'arrière était déjà assez long pour moi. Une fois qu'on arrive à la longueur, donc logiquement la longueur donnée, mais moi donc j'ai fait un petit peu moins de centimètres, vous avez une partie de rang raccourci pour continuer à travailler devant, mais ne plus tricoter derrière. Donc vous le faites d'abord sur le côté là, et après vous le faites sur le côté ici. Donc du coup ça lui donne vraiment, c'est un peu plus équilibré, je vous le dis, parce que si vous êtes comme moi et que vous ne lisez pas le patron en entier, troisième fois que le téléphone tombe, voilà, sur le coup je me suis dit waouh, ça va faire vraiment court devant et vraiment long derrière, ça va pas aller. Bon, il y a ce système de rang raccourci là sur la fin qui équilibre un petit peu le tout, mais ceci dit, si j'avais respecté les longueurs données par le patron, il serait quand même descendu beaucoup plus bas sur les fesses. Hein. Il descendait beaucoup plus bas. Moi, là, c'est bien. C'est très bien. C'est vraiment, pour moi, là, la longueur que je voulais. Il n'y a pas de problème. Ensuite, les manches. Les manches sont des manches montées. Donc, on va venir relever un certain nombre de mailles. Et ensuite, on tricote avec un système de rang raccourci. C'est long. C'est long, mais c'est joli. Je trouve que vraiment la finition est belle. Ça tombe bien, ça finit bien. Donc, j'étais contente de le faire, mais c'est vrai que c'est long. C'est-à-dire qu'à un moment, on a quand même pas mal tricoté sur la manche, mais comme on est en système de rang raccourci, on a fait ça, quoi. Là, on n'a rien sous la manche et là, on a fait juste ça. Et on a dit, dis donc, ça fait déjà des heures que je tricote sur ma manche, j'avance pas très vite. Une fois qu'on a rejoint en rond, bon bah là ça va un petit peu... Oui, parce que du coup, hein, là on est en aller-retour aussi, donc encore des rangs en vert. Une fois qu'on a rejoint en rond, ça va un peu plus vite. J'ai pas tout à fait respecté le rythme des diminutions, j'en ai fait un petit peu moins, notamment là, parce que j'ai des bons petits... Alors j'ai pas de muscles, mais c'est quand même... C'est quand même bien, et généralement, pour ma taille, pour un 40, je dois avoir des bras un peu plus gros que la moyenne, on va dire, des personnes qui font une taille 40. J'ai souvent des problèmes à ce niveau-là, donc j'ai fait moins de diminution. Mais voilà, les manches sont fitées, je trouve que c'est bien, ça va bien avec le gilet. Si j'avais été sûre et certaine d'avoir suffisamment de fil, je pense donc que j'ai bien fait de pas le faire. Si j'avais été sûre et certaine d'avoir suffisamment de fil, j'aurais aimé les tricoter droite et faire diminution à la fin, bracelet de manche et tout ça. J'aime mieux comme effet les manches un peu ballon. Mais voilà, là j'étais vraiment pas sûre d'avoir assez de fil. Et comme en plus j'avais des aiguilles un peu plus grosses, j'avais vraiment peur de manquer. Déjà, normalement, je crois que j'étais vraiment tout juste avec mes 1200 mètres de fil. J'ai pas pris de risque et je crois que j'ai bien fait. Je pense que cette laine va probablement pas mal boulocher, j'ai l'impression. Ça doit être certainement lié à la soie. Donc on verra comment ça se comporte, mais il faudra peut-être que je le rase quand même à un moment donné. Je ne l'ai pas encore porté, c'est vraiment le premier jour aujourd'hui, comme il fait froid, ça tombe vraiment très très bien.
Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que c'était long, mais je trouve que le résultat en vaut la peine. Alors moi je suis fan de la couleur, hein. Franchement c'est les petits parmes comme ça, j'aime beaucoup beaucoup. Je trouve que le résultat en valait la chandelle, c'est vraiment la forme que je voulais, couleur que j'aime bien, mais c'était long. Donc voilà, je suis contente qu'il soit terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va quand même passer aux encours, d'autant plus qu'il n'y en a pas énormément, donc ça risque d'aller un petit peu vite. Et puis oui, je vais essayer quand même de passer la seconde, hein, comme on dit. Dans ma jolie petite trousse de chez Lily Comme Tout, offerte par ma petite Marie, qui je ne pense pas passera par là, mais Marie c'est une copine, une maman copine de l'école, et elle tricote pas, rien du tout. Mais n'empêche qu'à la fin de l'année, elle a regardé certains de mes vlogs ou certains de mes posts Instagram pour voir ce qui pouvait me plaire, et elle m'a offert, voilà, elle m'a fait un petit, elle m'a gâtée. Elle m'a offert cette jolie petite trousse et des petites pelotes de Javol. Donc, Javol. À chaque fois, hein, je vais me tromper. J'ai pris de mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a un projet quasiment terminé. Avec des fils dans tous les sens. Il y a un projet quasiment terminé de petites paires de chaussettes à la vanille en laine autorayante de chez Le Bruit des Aiguilles. C'est un écheveau de 50 grammes. Mais alors? Et oh, vilain. Ou alors en même temps, hein. Voilà. C'est un écheveau de 50 grammes de fingering 85-15. Le coloris. Je ne sais pas. Je vous l'écrirai. Margir, je ne sais pas. Avec son contrastant 20 grammes. Là, le coloris, c'est rose. Donc, c'est très facile. Celui-ci, je l'avais acheté lors du festival Exceptionnel, là au mois de février ou janvier 2024. Je ne l'avais pas encore tricoté, je trouvais que c'était une couleur qui était parfaite pour les vacances. Voilà, mais ce sont, malheureusement pour elles, hein, elles y peuvent rien, ces petites chaussettes, ce sont vraiment les chaussettes du cambriolage, hein, ce sur quoi j'ai tricoté. En attendant que l'assurance me réponde au téléphone, en regardant les photos de ma maison toute sans dessus dessous, etc. Donc autant vous dire que le souvenir associé n'est pas terrible. Donc celle-ci, je vais les terminer. Il ne me reste que le talon de la deuxième paire à faire. Je vais les terminer et je vais les offrir. Voilà, ça sera très bien. Ce sera parfait. J'ai décidé de les faire pareil. Hein, je les ai commencés sur la même couleur de rayure. J'ai un petit côté, j'aime bien quand c'est, quand c'est vraiment pareil. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'enlève un petit peu. Vous voyez, voilà, j'ai enlevé un petit peu de fil. Alors, c'est un petit peu de gâchis, on va dire. Mais moi, j'aime bien quand mes chaussettes comme ça sont identiques. Donc voilà. Que vous dire de plus, rien, parce que c'est exactement la même chose que ça, hein. Donc si quelqu'un fait un 38, non, je pense que je sais déjà à qui je vais les offrir. Donc voilà, les petites chaussettes que je vais bientôt terminer, et on pourra peut-être passer à autre chose plus réjouissant. Et dans j'avais complètement craqué chez Solène sur... elle avait montré il y a plusieurs mois déjà, hein, bobine de fil aiguille. Elle avait montré un magnifique sac qu'elle était en train de se réaliser, comme ça, avec des petits restes de Liberty, façon un peu patchwork. Et je lui avais dit, waouh. Alors ça, moi, le Liberty, c'est ma cam. Hein, je suis fana depuis très longtemps. Je lui avais dit, écoute, si tu as l'occasion de m'en faire un, hein, si c'est quelque chose que tu refais, je suis super preneuse. Donc voilà, regardez la merveille, c'est superbe. Et puis alors, j'adore aussi le petit velours Milleray laquelle a sélectionné pour à l'arrière. En plus, c'est vraiment, c'est un grand format, il est formidable. Bobine de fil aiguille. Je suis complètement en amour de mon sac Liberty. Vraiment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là-dedans, j'ai un petit projet.
un petit projet et un petit début de projet. Il s'agit... Non mais Pierre Richard, sors de ce corps. Il s'agit d'un début de petit châle, un modèle de Sari Nordlund qui s'appelle le Turtle Dove Shawl et qui est un modèle qui est sorti en décembre 2023 sous la forme d'un cal ou d'un mcal. Bon bref, je ne sais pas si c'était mystère ou pas, mais voilà, sous la forme d'un petit cal sur le mois de décembre. Donc le modèle est découpé en 4 diagrammes, 4 grilles. Et donc, j'imagine que les personnes qui ont suivi le cal recevaient une grille par semaine. Et voilà, moi je cherchais, je l'ai vu passer là sur le podcast d'une Australienne que je suis. Je vous mettrai ses Smash Knits, je vous mettrai ses références en dessous. Et j'ai trouvé qu'il était super joli. Et donc elle disait ce qu'elle avait utilisé, donc un écheveau de fingering, un écheveau de mohair. Et là je me suis dit, ouais, alors moi qui ai du mohair à passer là, dont j'essaye de découler mes restes de mohair parce que je les ai depuis vraiment beaucoup trop longtemps, pour certains. Donc je voulais essayer d'écouler, voilà, ces restes de mohair là. Alors, je vais essayer de vous retrouver la référence quand même. Retrouver. Alors, il s'agit d'un mohair de la marque Veritas. Alors, Veritas, c'est une marque belge, si je ne dis pas de bêtises. Ils font des habits, mais ils font également de la mercerie et tout ça. Alors, je ne connais pas extrêmement bien, mais je sais que fut un temps, il y avait une boutique à Luxembourg. La boutique a fermé, franchement, il y a un bon moment. Hein. Vraiment, c'était bien... pré-Covid, etc. La boutique avait fermé et il faisait, je sais plus, vous voyez, des prix pas possibles sur leurs pelotes et notamment sur ce mohair et soie. Donc la qualité, c'est la qualité lisse. Et je viens de regarder, Veritas existe toujours et apparemment cette qualité est tout à fait trouvable sur leur site internet. Cette couleur-là, par contre, non, je la vois pas. C'est un 70% mohair, 30% soie, donc plutôt classique. Et donc j'en avais acheté plein à l'époque, puisque c'était pas cher. Chose que je fais plus trop ces derniers temps, mais bon, voilà. Donc j'ai quand même ce mohair et soie à écouler depuis un petit moment. J'ai pas tricoté grand chose avec. Un bonnet pour la petite, un petit bandeau pour ma grande, enfin bref. Mais c'est pas le mohair et soie le plus doux du monde. Alors moi qui suis pas très sensible, c'est pas un problème. Par contre, techniquement, j'ai fait des trucs à mes filles qu'elles ne veulent pas porter parce que ça les gratte. Donc voilà. Donc je me fais des trucs pour moi et puis voilà tout. Donc j'avais ces restes là de mohair que j'essaye d'écouler et je me dis tiens, c'est un bon petit modèle pour essayer d'en passer un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire la fingering? J'ai utilisé, et je vais bien le dire, de la Yavol Silk. Donc là, j'avais deux pelotes de ce coloris, qui est le coloris 119, offert par l'un ou l'une d'entre vous, hein, d'ailleurs. Et donc, comme il en faut, je ne sais plus combien il en faut d'ailleurs pour ce modèle, mais en tout cas, voilà, elle dit un écheveau de chaque, donc 100 grammes a priori, 400 mètres de fil, on verra. Là, avec mes deux petites pelotes, normalement, ça devrait aller. Donc là, j'ai déjà fait le premier diagramme et je viens tout juste de commencer le deuxième diagramme. Donc ça va être un petit châle dans l'esprit un petit peu Sophie Scarf, vraiment petit, juste un petit tour de cou. Vous voyez que j'accroche... Voilà. Il y en a encore à faire, hein, si vous voulez. Là, on va aller en fait jusque le triangle va continuer de s'agrandir. Et puis, diagramme 3, c'est il rétrécit. Et diagramme 4, il rétrécit encore plus. Hein. C'est vraiment c'est la même chose. Hein, c'est une symétrie. Donc, voilà. Il ne sera pas très long. Il sera juste à accrocher comme ça en petit bandana, peut-être, on va dire. Mais en tout cas, il sera bien chaud et bien beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que c'est vraiment très joli, très délicat,
Par contre, je vous le dis, c'est pas que c'est pas facile, mais il y a des choses à faire tous les rangs, que ça soit à l'endroit ou que ça soit à l'envers. Et oui, encore des maillons verts, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Par contre, clairement, même sur les rangs envers, vous avez des mailles torses envers à faire. Donc, il faut quand même faire des petites choses. Même sur les rangs envers, on ne peut pas vraiment se reposer. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai commencé la semaine dernière. Donc, j'ai fait sur une semaine la première grille. Et bon, bah là, je viens de commencer juste ce matin, la grille numéro 2. Bon, bah peut-être que j'arriverai à tricoter un petit peu ce week-end, on verra. Voilà, ça serait bien que je le fasse, effectivement, une semaine, une grille, ça serait pas mal. J'ai mis mes jolis petits nuages de chez Tessa pour m'indiquer mes petits débuts de rang. Mais pourquoi il refuse de faire le point, vilain animal? Je voulais vous montrer qu'il brillait, mes petits nuages, il y a des petites paillettes dessus. Oh, on voit rien. Donc, voilà, je vous en reparle. J'espère la prochaine fois il sera un petit peu plus avancé. Bon, une fois de plus hein. Là comme ça quand je touche, moi je trouve que c'est doux. Dans le coup, j'avoue, ça, je le sens, mais moi ça me dérange pas trop. Donc voilà le petit shawl Turtle Dove qui va avancer. Je suis pas très pressée hein. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, qui va un petit peu faire aussi le lien avec les acquisitions et tout ça, je mets juste un petit warning à ma petite Caroline. Si tu regardes cet épisode de podcast, eh bien, c'est le moment pour toi d'éteindre et de ne plus regarder, car sinon, la surprise sera dévoilée. Et ça ne va pas du tout. Donc, Caroline, on dit tous au revoir à Caroline. Et maintenant qu'elle est partie, je peux vous montrer. Donc pendant que nous étions en vacances et pour nous remonter le moral, enfin pour me remonter le moral, j'avais regardé quand même avant de partir, on était donc à l'île de Ré hein, en vacances, et j'avais regardé avant de partir s'il y avait des boutiques de laine. Alors je pense que plutôt ça serait plutôt La Rochelle hein, qu'il faudrait, sur lequel il faudrait miser. Mais là, bah, à l'aller, en fait, impossible de faire un arrêt parce qu'il y a... Quand on arrive juste au pont, il y a vraiment beaucoup de monde, on était dans les bouchons, etc. Et au retour, là, on n'a pas pris le temps de s'arrêter, si vous voulez. Il fallait qu'on rentre chez nous. C'était urgentissime de rentrer chez nous parce que ça n'allait pas du tout. Bref, donc La Rochelle, ça sera une autre fois. Et sur l'île de Ré, j'ai vu par contre qu'il y avait une boutique à Saint-Martin. Donc nous, on n'était pas à Saint-Martin, mais on s'est fait une petite rando vélo jusqu'à Saint-Martin. Une journée pour aller voir cette petite boutique où il y a quelques références. Alors c'est boutique de décoration et puis un petit peu mercerie, un petit peu laine, et je crois qu'elle fait du, vous savez, elle prend des meubles et puis elle les restaure, etc. Donc voilà, peut-être un petit peu tout ça. Donc je vais vous, la boutique, je pense que c'est Dream pour l'île de Ré. Donc à Saint-Martin. Je vais regarder s'ils ont un... Je vois qu'elle a un petit logo Instagram. Donc j'irai quand même regarder. Et puis dans tous les cas, je vous mettrai son... le nom de son site, enfin l'adresse de son site. Et donc bah, dans cette boutique, j'avais envie de prendre quelque chose pour faire un cadeau de naissance à ma petite Caroline qui attend son deuxième petit bébé pour le mois de décembre. Et je voulais vraiment faire un cadeau de naissance, donc quelque chose que je vais lui offrir même avant la naissance de son bébé, qu'elle pourrait éventuellement emmener à la maternité avec elle. Mon choix de laine s'est porté sur de la crème queue. Alors, crème queue Soul Wool, et la base que j'ai choisie, c'est donc Mary Merino 220. Je crois que ce que me disait la dame du magasin, c'est que c'est une nouvelle base chez eux, dans cette taille de fil. C'est-à-dire bah, 220, parce que 220 mètres pour 50 grammes.
Voilà, donc c'est une light fingering, on va dire. Et donc j'ai craqué sur ces deux coloris. Donc le premier coloris 02, le deuxième coloris 05. Je crois que la vendeuse m'a dit Marsala aussi comme nom. Vous pourriez le trouver sous ce nom-là. Donc voilà, je suis partie sur ça. Alors qu'est-ce qu'elle a d'autre comme marque? Elle a de la Fenty, elle a de la Isager, elle a... Mais voilà, de toute façon, on peut dire une chose de ces vacances, c'est que j'étais là, mais j'étais pas là. J'étais dans la boutique et puis j'arrivais pas à me concentrer. J'avais tout le temps des pensées parasites. Donc voilà, j'ai pris ça et après j'ai regardé ce que je pouvais faire avec. Je savais que je voulais prendre quelque chose pour le bébé, quoi. Mais si j'avais voulu prendre autre chose pour moi ou qu'est-ce, j'avais même pas d'idée, j'avais pas... Voilà, tout était très compliqué. Donc j'ai pris deux pelotes de chaque de cette qualité. Donc c'est j'imagine une 100% mérino. Alors 100% laine vierge, et donc j'imagine de mérino, hein, puisque mérino. J'ai pris donc deux pelotes de chaque. Et en rentrant, donc j'ai regardé ce que je pouvais faire avec. Et mon choix s'est porté sur... Je sais même pas si j'ai... Bon, c'est là-bas. Sur l'ensemble Nougatine. Le mini set Nougatine de chez Loli Lafay. Je vous montre le petit dessin puisque je n'ai pas imprimé le patron. Donc c'est un petit set qui est composé d'une brassière, d'un collant legging comme on veut et d'un petit béguin. Alors j'ai déjà réalisé le petit legging. J'ai longuement hésité à savoir si je faisais le collant ou le legging et finalement j'ai décidé de faire le legging. Les finitions ne sont pas encore faites, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a cette petite bande en haut qu'il va falloir replier, venir coudre et dans laquelle il y a un petit élastique à mettre. Il y a également la couture de la culotte, hein, qu'il va falloir faire parce que pour l'instant, il y a un trou, ça ne va pas du tout. Rentrage de fil, lavage blocage... Donc voilà, mais en tout cas la partie tricot en elle-même est réalisée. Donc j'ai déjà fait donc le petit legging. J'ai préféré pas... Alors, mon échantillon n'était pas bon puisque la laine utilisée par Lolita là pour son patron, c'est une 200 mètres pour 50, enfin 400 mètres pour 100 grammes. Donc moi j'ai un fil qui est légèrement plus fin et du coup j'avais... je sais plus, j'avais pour au 10 cm j'avais plus, bref, donc j'ai gardé la même taille d'aiguille que... Non, j'ai pas du tout gardé la même taille d'aiguille que ce qui est recommandé. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Un enfant qui rentre du collège. Donc non, alors effectivement je ne tricole pas du tout dans les tailles recommandées puisque je n'avais pas le bon échantillon. J'ai donc descendu d'un quart de taille, c'est-à-dire que normalement ça se tricote en 3,25. Moi je suis passée en aiguille 3. D'autant plus que... et genre, je bricole encore, je bidouille encore, puisque je tricote la taille 3 mois, mais comme je le fais avec des aiguilles un peu plus petites, et ben j'espérais obtenir quelque chose entre la taille naissance et la taille 3 mois. Voilà, plutôt du 1 mois. Et franchement, je pense que c'est pas déconnant. Là, quand je regarde comme ça, je me dis que ça doit être quelque chose à peu près comme ça. Donc, le petit legging est déjà bien avancé. Et j'ai commencé également la brassière. Donc, bon, bah, ça va peut-être pas être très facile à vous montrer. Donc, la brassière, elle est réalisée dans l'autre coloris. Elle est... tricoté en aller-retour, le retour des mailles en verre. Il y a sur le devant un petit point texturé, un point de semis. Voilà, très très simple. Je vous en parlerai quand le petit set sera fini pour vous expliquer exactement comment c'est tricoté, etc. En revanche, je pense pas que je vais faire le béguin.
parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils mettraient à leur petit. Je pense que je vais plutôt partir sur un petit bonnet classique. Voilà. Je ne sais pas. Je réfléchis encore. Je tâterai le terrain et je verrai ce qu'elle me dit. Je vais m'arrêter là parce que je n'aurai clairement pas le temps de vous montrer le dernier pro... j'ai fait tous les projets. Je voulais vous montrer les acquisitions. Je reviendrai demain matin pour vous parler des nouveautés, des acquisitions et des projets. Enfin, ce qui arrive vraiment après, une fois que j'aurai terminé ça. Et comme ça, je pense qu'on aura fait un bon petit tour. Bon, à tout de suite. On prend les mêmes et on recommence. Sauf que là, on est vendredi. C'est dommage parce que vraiment, il me reste pas grand-chose hein, à vous présenter. Mais hier, je pense que j'ai dû beaucoup trop parler. En tout cas, ça a débordé et j'avais pas le temps de terminer. Donc, je reviens aujourd'hui pour terminer cet épisode. J'espère aussi parce que en éteignant hier, après avoir un petit peu enregistré, je me suis dit, mais j'étais brouillon. Je pense que je suis allée vite. J'ai dû éteindre plein de fois la caméra parce qu'il y avait toutes sortes de trucs, le téléphone qui sonnait, etc. On voit que c'est la reprise. Hein. J'étais un petit peu rouillée, je crois bien. Je le suis probablement toujours un petit peu. Donc, faites preuve d'indulgence. Hein. Dites-vous que ça va aller mieux dans les prochains épisodes. C'était le temps de reprendre mes petites habitudes, quoi. Voilà. Donc, écoutez, hier, je vous ai montré les projets terminés, enfin, les objets terminés, les encours. Là, je vais vous montrer les acquisitions, les nouveautés de patron ou les petits projets à venir. Ça va nous permettre de discuter un petit peu Vlogtober. Je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais faire des Vlogtober cette année parce que voilà, les conditions sont pas forcément idéales, j'en sais rien, mais pour vous la faire courte, j'ai présentement dans ma cuisine, qui est quand même l'endroit où je passe le plus de temps quand je vous fais les Vlogtober, limite, parce que entre les recettes, c'est l'endroit où je m'installe pour papoter un petit peu avec vous tricot. Des fois aussi, je fais un petit peu de j'arrose mes plantes, etc. Tout ça, c'est dans la cuisine. Bon, présentement, il fait nuit dans ma cuisine, puisque c'est par là que les cambrioleurs sont passés et qui nous ont cassé notre... Ils ont pété le volet roulant, ils ont pété la porte-fenêtre. Or, tout ça est pour l'instant plus ou moins réparé. Vous voyez quoi, en tout cas, on peut fermer, c'est fermé, c'est déjà ça. Mais on ne peut pas ouvrir. Si on ouvre, on peut plus, c'est fini, on ne peut plus refermer. Donc, il va y avoir des travaux. Hein. Ça y est, les choses sont en train de se débloquer, mais c'est long, ça prend du temps. Et j'ai pas trop de visibilité pour l'instant. Je peux pas vous dire là aujourd'hui. Je pense que j'en saurai un petit peu plus la semaine prochaine quand ça va être fait et tout ça. Mais voilà. Donc je sais pas. Je me suis un peu... je réfléchis encore. Mais ceci dit, si je fais des Vlogtober cette année, puisque c'est quand même quelque chose que j'aime bien. C'est une petite tradition que j'apprécie. Je vais tout de suite vous montrer deux petits projets qui, de toute façon, vont être tricotés là sur le mois d'octobre. Mais est-ce que ça sera l'objet d'un fil rouge dans les Vlogtober? Je ne sais pas, on verra bien. La première des petites choses que j'ai reçues, c'est que j'ai reçu un petit patron dans ma patron tech de la part de ma petite Sabrina Choupette, ma petite choupie, autrement appelée le petit farfadé malicieux. J'ai reçu ce patron de renard endormi qui s'appelle les Pumpkin Socks. Quel bonheur quand même de pouvoir maintenant maîtriser les chaussettes jacquard parce que toutes les possibilités que ça ouvre, c'est vraiment trop trop chouette. Donc petit modèle de chaussettes en jacquard, je crois que c'est disponible en français et en anglais. J'ai oublié complètement hier de vous dire si les patrons étaient dispo en français et en anglais ou seulement en anglais. Voilà, complètement oublié. Mais en tout cas voilà, ce petit modèle de chaussettes est vraiment beaucoup trop mims, c'est adorable. Et cette même petite choupette là m'avait envoyé
courant du mois de juillet, un petit colis surprise des ciseaux magiques, avec notamment à l'intérieur ceci. Donc, j'ai envie de vous dire, ça pourrait être pas mal. Un petit contrastant, enfin une autre petite pelote de Yavol écrue, j'en ai, hein, dans mon stage de laine à chaussettes. Et puis, j'aurais plus qu'à trouver un coloris donc, pour faire le pied de la chaussette. Mais ça, pareil, je pense que dans mes restes, je vais certainement trouver quelque chose qui pourrait coller. Et j'imagine que peut-être si on part sur... Allez, 20 grammes, peut-être 30 grammes de laine, on est pas mal. Pour rappel, moi, je fais un petit 37-38. Hein, donc, il ne faut pas non plus beaucoup de laine. Si j'ai un écheveau de 50 grammes avec des contrastants pour les orteils, les côtes et le talon, ça passe crème. Donc, voilà, là, il m'en faut juste pour le bas du pied. Donc... je pense que je vais trouver ça sans aucun problème. Donc voilà. Parmi les petites choses que j'ai reçues également dans ce colis, il y avait une jolie petite pelote de Régia. Avec des coloris vraiment bien peps. Que j'aurais adoré tricoter là pour cet été. Bon, bah, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est pas grave. Les petites chaussettes, la laine à chaussettes comme ça... Moi, je trouve vraiment que pour des chaussettes à la vanille, c'est au petit poil. Et je trouve qu'en plus, c'est vraiment... Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cet épisode. Je trouve que c'est vraiment des laines qui se tiennent très bien. Donc, à offrir, c'est une super bonne idée. Alors, c'est la Régia 4ply Coloris 7203. Et ce qui est assez sympa, donc bon bah on pourrait largement l'associer avec ça. Mais moi j'ai des roses fuchsia en haut qui sont pas mal et qui je pense iront très très bien avec aussi. Voilà. Autre petit présent que... Ben, ah non, il y a un truc que j'ai acheté. Autre petit présent que j'ai reçu de la part de ma petite Véro. Qui elle aussi n'est pas la... De toute façon, là, c'est vraiment les copines qui me gâtent tout le temps. J'ai reçu le patron, le Spooky Sock Set de Stone Knit. Alors, hop, une fois de plus, il y a du mal à faire le point. Voilà. Donc, j'imagine qu'il y a deux gris. La grille avec la sorcière... Et la grille avec les petits fantômes. Et moi, celle que je vais faire direct, c'est celle avec les petits fantômes. Alors, je n'ai pas encore le coloris principal. Mais, ou peut-être je l'ai déjà, mais je ne le sais pas encore. Mais j'ai déjà le coloris contrastant. J'ai commandé une pelote. C'est ça quand on fait plusieurs choses en même temps, parce que je suis en train de vous chercher d'autres... J'ai commandé une pelote de... Attention, prononciation alternative. De Schrepsius. Schrepsius. Je ne sais pas. Ma Cécile, si tu passes par ici, hein, d'avance, désolée. Je sais que tu me le dis à chaque fois, mais à chaque fois, j'oublie. J'ai commandé donc une pelote de laine de cette marque hollandaise, me semble-t-il, qui brille dans le noir. Donc, pour faire les petits fantômes. Et maintenant, je suis en train de réfléchir à quel coloris je vais utiliser pour mettre en fond. Donc, c'est vrai que l'idée première, ça serait des coloris un peu Halloween, etc. Sauf que j'ai vu plusieurs modèles où les tricoteuses ont utilisé des coloris complètement autres que du 100% Halloween. Enfin, voilà, on sort du orange... du noir, etc. Et je trouve que ça rend pas mal du tout. J'en ai vu un autre et c'est pour ça que je les cherche, mais ça se trouve c'est sur les photos du patron, dans des tons de rose, et ben c'est pareil, ça allait vraiment hyper bien. Je pense que c'est dans les photos du patron. J'essaie de vous trouver ça. Ben voilà, elles étaient là. Donc au final, on n'est peut-être pas obligé de rester stricto sensu sur des couleurs Halloween, mais partir sur un coloris, bon ça j'en ai vraiment beaucoup dans mon stash, coloris rose, etc., auquel je pourrais adjoindre ce petit fil qui brille dans le noir.
ça, ça va être pour une de mes filles, c'est sûr. Autant les petits chats pumpkin, là, je pense qu'elles vont être pour moi. Les petits fantômes, je me demande si je vais pas tricoter. Je pense que j'aurai vraiment assez du fil qui brille dans le noir. Je me demande si je vais pas tricoter une paire pour chacune de mes filles. Le truc là qui brille dans le noir, ça va les éclater. Donc voilà. Merci ma Véro aussi. Toi aussi, t'es vraiment un petit cœur. Les copines qui prennent soin de vous comme ça, c'est assez merveilleux. Au tout début de cette vidéo, je pense que vous m'aurez vu aussi en train d'installer mon magnifique bouquet que j'ai reçu en surprise la mercredi. Voilà. Ça sonne à ta porte, t'ouvres et il y a quelqu'un qui a un bouquet immense de la part de ma copine Cécile. Ça, c'est les tricopines qui m'ont vu là cet été, hein, au mois d'août, et qui ont vu que c'était un peu compliqué et qui du coup me gâtent. Et notamment mon autre tricopine qui ne manque jamais de me gâter, c'est ma tricopinette Julie. Et alors là, je ne sais pas si vous êtes prêts pour cette merveille, mais voilà le magnifique cadeau qu'elle m'a fait parce que je lui ai juste arrosé ses plantes cet été, franchement. Non mais regardez-moi cette beauté. Alors moi, les laines de la bien-aimée, j'en ai tricoté parce que ma copinette Laure m'avait envoyé des petits restes à mettre dans ma couverture de restes, etc. que j'ai finalement passé dans les chaussettes parce que c'était quand même des restes assez conséquents. Je n'avais jamais craqué parce que les prix sont peut-être un petit peu élevés pour ce que je pense mettre en tout cas en tricot. Bon, je dis ça et puis en fait ça dépend des fois quoi, mais voilà, j'avais jamais eu l'occasion, disons, de craquer. Et là, eh ben, elle a craqué pour moi sur cet écheveau qui je sais pas, qui crie la bibiche quoi, en gros, hein. C'est beau, mais c'est beau, magnifique. Donc, est-ce que ça sera pas quand même... Alors, je vais peut-être quand même vous donner. Donc, c'est sur la base Merino Super Soc, 425 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est le coloris Fiori. Je suis pas sûre de les passer dans des chaussettes parce que, bon, vraiment, c'est beaucoup trop joli. C'est beaucoup trop joli. Et en même temps, les chaussettes, c'est beaucoup trop joli aussi. Hein, mais voilà. Mais peut-être que dans un petit châle, ça pourrait être sympa. C'est Lauriane, l'eau demoiselle, qui nous a fait un super... Oh, écoutez, je me suis régalée, moi, cet été, quand Lauriane, elle est partie en vacances. Elle nous avait préparé des vidéos un petit peu hors série, comme ça. Je me suis régalée avec la vidéo de ses deux fils et de son compagnon qui répondent à des questions tricot. Alors, franchement, ils sont ultra calés. Parce que moi, je peux poser les questions là à... n'importe quel membre de ma famille. Peut-être les filles vont s'y connaître un petit peu plus. Et encore, bon, la grande, parce que ça l'intéresse, elle me pose des questions quand elle, voilà, elle aime bien. Mais de là à connaître les noms des teinturiers et tout ça, alors là, chapeau, chapeau. Et alors, son grand, quel humour! Il m'a fait beaucoup penser à mon grand à moi. Ils sont un peu pince sans rire comme ça, ce même petit humour. Un régal cet épisode à regarder. Et donc elle a également proposé un épisode où elle nous montre tous les châles à un écheveau qu'elle a tricoté, et puis elle se dit qu'elle va nous faire plusieurs fois dans l'année peut-être des retours comme ça sur les châles à un écheveau qu'elle tricote. C'était beaucoup d'inspiration, donc peut-être dans un petit châle plutôt que dans des chaussettes. On verra, seul l'avenir nous le dira. Et la petite chose que je me suis achetée, enfin que moi j'ai achetée, on avait fait une petite virée au Luxembourg cet été avec ma grande et je lui avais demandé de se sélectionner un écheveau de laine à chaussettes. Et voilà ce sur quoi elle a craqué. Donc voilà, pareil pour une petite paire de chaussettes à la vanille. Elle a encore grandi les pieds, cette grande fille qui est... Elle est en cinquième cette année, ma grande, elle a 12 ans. Et... elle m'arrive là. Mon grand, lui, ça y est, c'est bon. Hein, il m'a dépassé déjà depuis un petit moment. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose quand même quand tes enfants commencent à te dépasser. Donc c'est toujours... Alors non, c'est de la Fourply aussi, mais c'est le... Alors je sais pas comment s'appelle cette collection, la collection The Two of Us. Alors que celle-là, c'est vraiment une Fourply classique. Pourtant, c'est... Ah non, c'est pas la même illustration. Ouais, franchement, il faut que je m'achète des lunettes. Hein. C'est pas du tout la même illustration. Donc, ça sera pas le même, le même rendu. C'est vraiment trop cool, ces coloris qui font la chaussette pour toi. Pas de jacquard à faire, ça se fait tout seul. C'est merveilleux.
Et donc le coloris de ce petit bazar là, c'est le coloris 30-14. Voilà, donc ça sera pour des chaussettes pour la grande, c'est sûr. Et pareil, en contrastant, j'ai vraiment ce qu'il me faut là avec toute ma petite collection de Yavol. En plus, je les ai regroupés là cet été. J'ai fait un petit rangement rapide avant de partir. Si j'avais su, hein, parce que, alors autant vous dire que je suis rentrée. Je peux vous dire que les voleurs cherchaient donc de l'argent liquide et de l'or, enfin des bijoux en or, parce que ils ont regardé vraiment. Dans toutes les petites boîtes, tous les petits bijoux ont été fouillés. Alors, scoop, ni argent liquide, si ce n'est dans les tirelires des enfants. Donc, ces espèces de petits saligots ont piqué les tirelires des mômes. Sympa, mais bon, bref, hein, y a pire dans la vie. Et je n'ai aucun bijou en or, je n'ai que du toc. Donc, les pauvres vieux, non, on va peut-être pas les plaindre quand même, mais ils ont ouvert toutes les boîtes. Et Dieu sait que dans mon coin loisirs créatifs, j'en ai des boîtes. Et je les imaginais en train de se dire « Pétard, encore une boîte avec des boutons, encore une boîte avec des yeux de sécurité pour les petites, les amigurumi, les machins. » Tous mes petits marqueurs, mes petites boîtes de marqueurs, ils ont tout ouvert, tout retourné pour fouiller, etc. Bon, ben voilà, il n'y avait rien en or. Pourquoi je vous disais ça? Oui, donc voilà, on sait ce qu'ils cherchaient. Et donc vraiment, tout mon coin loisir créatif a été... retourné, j'avais des pelotes dans tous les sens, hein. Ils ont pris mes grosses boîtes dans lesquelles j'ai les pelotes en laine et ils ont tout vidé quoi pour voir si j'avais pas caché mes liasses de billets, puisque tout le monde part en vacances en laissant des liasses de billets planquées dans sa baraque, enfin vous comme moi hein, bien sûr. Donc voilà, ils ont tout retourné et c'est vrai que quand tu rentres et t'as toutes tes pelotes de laine à remettre et à ranger, bon, ça fout un peu les boules, quoi. Mais voilà. Donc, avant de partir, j'avais fait un bon petit rangement de la Yavol pour voir un petit peu ce que j'avais sous la main en coloris. Elles sont maintenant à ma vue tout le temps, comme ça. Ça fait partie du plaisir du tricot, ça. Hein. La petite association, tu passes à côté de tes pelotes et puis d'un coup, t'es là. Ah, mais en fait, ça irait vachement bien avec ça. Et c'est de là que naissent les projets et tout. Donc, voilà. Je pense que cette fois-ci, on a fait le tour. J'imagine que ça va être un épisode assez long. J'espère qu'il n'aura pas été trop décousu. J'espère aussi que ça ne vous aura pas trop enquiquiné, que je parle beaucoup de cet événement traumatique du mois d'août. Mais franchement, donc voilà, rassurez-vous. Ça y est, je sens vraiment que ça va mieux. Donc bon, on va pouvoir passer à autre chose. Je vous en ai parlé, je ne reviendrai... pas dessus, ça c'est fait, on va bientôt tourner la page, vraiment tourner la page quoi. En attendant, si cet épisode vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je vous lis toujours tous et toutes, je ne prends pas toujours le temps de répondre à tout, quand j'ai des questions j'essaye, mais voilà, c'est vrai que je ne réponds pas individuellement à tout le monde, mais je vous lis vraiment tous avec grand plaisir. Et puis si par hasard ça n'était pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne. On est bientôt à 7500 abonnés. Je rêve du jour où j'arriverai aux 10 000. Alors moi, enfin j'en rêve, je sais pas, parce que ça me semble complètement dingo cette histoire. Et mes enfants, hein, mes enfants sont à fond. Bon, 7005 déjà, ils sont complètement fous. Mais alors là, les 10 000, laissez tomber. Je pense qu'on se fait un resto le jour des 10 000, c'est pas possible. Donc voilà, voilà. Si vous pouvez vous abonner, bah on irait au resto plus vite, quoi. Ça serait pas... Je commence à raconter n'importe quoi. C'est généralement signe qu'il faut partir. Et vous donner rendez-vous, bah, j'espère bientôt. On va dire dans 15 jours, parce que je vais essayer de progresser. En tout cas, le petit ensemble de bébés, là, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment avancer dans les jours qui viennent pour pouvoir l'offrir rapidement. Et voilà, on complétera après certainement, pour ce petit doudou, des choses par-ci, par-là. Ben, on va continuer à tricoter pour ce petit bébé, quoi. Je vous embrasse vraiment extrêmement fort. Merci d'être là, d'être présent. Merci de vos gentils messages ici ou sur Instagram. Ça me touche vraiment beaucoup.
Et puis, prenez bien, bien soin de vous, prenez bien, bien soin des vôtres. Je vous embrasse extrêmement fort. Je vous dis, see you later.